rendez-vous mercredi soir à Ibrox Park pour le match de Coupe d'Europe d'Auxerre face à Glasgow Rangers. Il devrait y avoir également énormément d'ambiance. Attention, à ce croc en jambe à l'entrée de la surface de réparation. Il va y avoir un très bon coup franc, une chose est sûre, puisque vous parlez de cette rencontre, Rémi. Il y aura une très belle ambiance à Ibrox Park, tout comme il y a aujourd'hui une belle ambiance à Abuja pour cette finale retour de la Ligue d'Afrique des Champions. Il est faute là, des coups francs logiques pour l'étoile sportive du Sahel. Alors attention, Zoubir Baïa est un très bon frappeur de coups francs. Il y a du monde également dans le domaine aérien avec Zouaghi Kaïs qui réduit la marque. Le coup de tête du numéro 14, un Tunisien, Zouaghi Kaïs, oui, qui permet à l'étoile sportive du Sahel de revenir à 2 buts à 1. Et on a vu un village. Les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Et on a vu un village est, il y a un coup qui a été donné. Et du reste, il est dénoncé le coupable, vous le voyez ici. Je ne sais pas si on reverra au ralenti après le but. Il y a un joueur qui veut se précipiter pour récupérer la balle, alors le gardien est lobé. Et du coup, il s'est défendu, il a donné un coup. Alors, je ne sais pas si l'arbitre va sortir un carton jaune. C'est apparemment pour Obiakor, le numéro 9 tunisien, mais le but. Kaïs va être entériné. Regardez cette détente. Il peut rien faire sur ça. Il peut rien faire que la toucher. Now up to the task, is he? That was a superb penalty take there. Absolutely textbook stuff, that. Dilari, every reason to be very satisfied indeed. Be very happy. Not quite a Panenka, but certainly wasn't moving particularly quickly. Now they're having problems keeping this ball on the penalty spot. Now there's the Nigerian keeper who's being told to get back into the right position. There's no wandering off allowed. Got to score this. And again. Superb execution. Traore, and maybe you might recall from the African Nations Cup, a great team. This is going to be scored, and it is. This is a big penalty. Baya is giving some instruction to Aman Chukwu. Early 90s is going to experience a big party tonight as the home supporters get going. As we said, it's not been a classic, but they won't mind now. Eddie Imba has won the 2004 African Champions League on penalties. Have you enjoyed it?